Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, le test et les ressentis de ça. Cela fait maintenant 8 000 km que l'on teste les fameux plateaux Kurings de chez Rotor. On a tout le recul nécessaire pour vous en parler en détail. Allez, on se retrouve juste après le générique, c'est parti! Avant de parler des plateaux, on va faire un petit retour sur la marque Rotor. Rotor, c'est une marque espagnole qui fabrique des éléments pour votre vélo. On a tous déjà entendu parler. Hormis leur plateau, elles réalisent aussi des boîtiers de pédalier, des pattes anti-déraillement et même un tout nouveau groupe 100% hydraulique qui vient de sortir il y a pas si longtemps sous le nom de Rotor Uno. On avait eu la chance de pouvoir s'en approcher lors d'une récente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Mais si Rotor est si connu dans le monde du cyclisme et pas seulement dans celui du cyclisme sur route, c'est grâce à ces fameux plateaux ovale. Que ce soit dans le VTT, le triathlon ou encore le cyclisme sur route, je suis sûr que vous avez déjà tous vu sur un des vélos de vos potes ou sur votre propre vélo cette fameuse marque Rotor. On va leur revenir sur un de leurs best-sellers, les fameux plateaux Kurings, que l'on va détailler pour vous. Le leitmotiv de la marque Kurings, c'est tout simplement d'atténuer le point mort lors de votre cycle de pédalage. On va voir ça en détail dans la prochaine rubrique, mais en gros, grâce à ces plateaux Kurings, on a normalement un gain de fluidité, une amélioration du coup de pédale, une dépense d'énergie moindre et une augmentation de la puissance. Alors pourquoi un plateau de type elliptique pour atténuer ces points morts ? Il faut savoir que lorsque l'on pédale, il existe deux phases différentes lors de notre cycle de pédalage. Une phase dite de puissance et une phase dite de flottement, là où les points morts se trouvent. Afin d'atténuer ces points morts, le plateau Kurings va alors voir son braquet augmenter suivant sa position. Prenons le cas d'un plateau en taille 53. Lors de la première phase, dite de poussée-tirée, les manivelles sont alors à l'horizontale. C'est dans cette phase que le maximum de puissance est disponible dans vos jambes. Le plateau voit alors son diamètre augmenter furtivement jusqu'à 56 afin de gagner en puissance et anticiper le passage de la phase 2. La phase 2, qui elle, est dite de point mort. Les manivelles sont à la verticale, seule la flexion du pied peut alors créer le basculement. Très peu de puissance, le diamètre du plateau va alors diminuer pour passer aussi brièvement à un braquet équivalent à un 51 et ainsi passer plus vite ce point mort et se retrouver à la phase 1 et ainsi de suite. Vous aurez compris grâce à ce schéma le principe de base de ces plateaux Kurings. Pour installer ces plateaux Kurings, rien de plus simple, 4 vis, enfin du moins 4 ou 5 vis, ça dépendra de votre type de pédalier. Il suffira juste de remplacer vos plateaux actuels par ceci. Vous imaginez, si le plateau passe d'un 51 à 56 dents, il faudra régler bien sûr le dérailleur avant sur la partie la plus large de votre plateau et ainsi remonter le dérailleur et bien faire en sorte qu'il y a au moins 2 mm entre la fourchette et les pignons les plus hauts sur votre plateau. Et normalement, un simple réglage de tension de câble vous permettra de bien régler ces passages de plateau du petit au gros sans aucun souci. Comme je le disais au début de ma vidéo, les plateaux Kurings, c'est du 100% made in Espagne, conçu, designé, fabriqué en Espagne, ce qui vraiment vous garantit une qualité et une robustesse à toute épreuve. Les plateaux que vous avez devant les yeux en vidéo ont déjà plus de 8 000 km aux jambes de Mathias. Ils sont vraiment impeccables, rien à redire, c'est vraiment du solide. Les plateaux, bien qu'ils soient assez pleins, typés aéro, sont à l'intérieur évidés pour vraiment gagner en poids. Car nous n'obtenons pas notre pic de puissance tous au même moment dans notre cycle de pédalage, Rotor a créé OCP pour Optimal Chainring Position. Autrement dit, la possibilité de régler l'angle d'attaque de la manivelle sur la partie la plus grosse du plateau afin de s'adapter au mieux à tous. Le guide nous explique alors devoir débuter en position intermédiaire 3 afin de réaliser un premier test sur plus de 10 heures. Suivant les sensations au pédalage, il vous faudra peut-être optimiser cette position en la changeant, mais plus d'excuses, les plateaux s'adaptent à vous et non l'inverse. Pour sa part, Mathias a débuté son test sur la position numéro 3.
Mathias est un cycliste assez puissant, pédale tout en force, profil de sprinter. Pas la peine d'attendre plusieurs centaines de kilomètres, l'effet fut immédiat. Plus véloce, à vitesse égale, Mathias se voit descendre une à deux dents par rapport à d'habitude sur la cassette arrière, donc en garde sous la pédale pour des sprints. Le gain en termes de fluidité est presque immédiat, bien qu'il ait fallu environ 1000 km pour s'y adapter et ne plus avoir de douleurs musculaires durant les différentes sorties. Mais revers de la médaille, difficile pour Mathias de fournir sa pleine puissance comme avant. En suivant le guide fourni, Mathias a alors baissé d'une position en passant à la position numéro 2 afin de changer l'angle d'attaque des plateaux. Et l'effet a quasi été immédiat encore une fois. Mathias s'est senti tout de suite plus à l'aise, il a retrouvé sa puissance tout en conservant la fluidité et monter une bosse assis est devenu plus facile, moins besoin de passer en danseuse. Pour certains simples gadgets, je suis personnellement convaincu de leur effet sur notre cycle de pédalage. On pédale beaucoup plus rond, beaucoup plus fluide, et personnellement, j'ai remarqué la diminution, du moins le retardement de l'arrivée de l'acide lactique dans les jambes lors de grandes et longues sorties. Une chose est sûre, ces plateaux achetés par Mathias sont adoptés et il sera difficile pour lui de revenir sur des plateaux ronds classiques, tant ces plateaux lui vont bien. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur votre ressenti sur ces plateaux OVO Made in Rotor, adoptés ou au contraire pas convaincus, je suis curieux de vous lire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous ne voulez pas la louper, une seule chose à faire, passez votre souris sur le rond qui s'affiche à votre écran et cliquez sur s'abonner pour ne louper aucune de nos nouvelles vidéos. Moi je vous dis à très vite, d'ici là comme toujours, portez-vous bien, ciao !